terre parce que le sol va être plus frais. Et puis après, ils vont se coucher dedans. Les enfants, c'est une belle opportunité pour eux de pouvoir voir les animaux, de les approcher. Je crois que le beau temps plus toutes ces animations, je pense que c'est réussi vraiment cette année. C'est la première fois que je viens en naturière et c'est génial. Merci. Ici on a vu des écureuils zig et zag qui nous ont fait partager un moment génial en fait. Bleu et rose là, voilà. Je trouve que c'est vraiment un espace fait pour ça. Il n'y a pas de voiture, on est au calme. Alors voir des animaux aussi beaux que le cerf ou les loups pour les enfants, c'est extraordinaire. On reviendra. Une façon pour nous de faire passer des messages, de sensibiliser les enfants et les plus grands également à la protection de l'environnement. Voilà, c'est moi qui vous mets. Je m'appelle Pierre Cadéac. Et j'ai un métier très particulier puisqu'il consiste à dresser des animaux pour les tournages de films. Alors à ce titre, j'ai 250 animaux qui vivent avec moi, chez moi, dans la région de Fontainebleau. Nous avons donc toutes sortes d'animaux apprivoisés qui ont la particularité d'être familiers avec les humains. Voilà. Mais c'est des loups heureux parce qu'on s'en occupe bien, on les a élevés bébés au biberon, ils sont habitués à vivre avec l'homme depuis toujours. Et la présence des hommes ne les dérange absolument pas.